Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Passons maintenant au troisième épisode de ce documentaire didactique sur la planète X et les différentes perspectives des sciences terrestres et extraterrestres, afin que vous puissiez avoir un aperçu le plus large possible sur ce sujet. Commençons donc par la position de la NASA. Bonjour, hi, my name is David Morrison. I'm a NASA space scientist, and I want to talk to you very briefly about Nibiru. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu une note d'une jeune fille de 12 ans qui dit que elle et ses camarades de classe ont peur et me demande d'expliquer d'un point de vue scientifique pourquoi nous savons que Nibiru n'est pas réel et que ce n'est pas un danger. Vous savez, la chose la plus simple à dire est juste qu'il n'y a pas de preuves crédibles ou quoi que ce soit qui prouve l'existence de Nibiru. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'observation astronomique. En fait, l'origine du nom est un peu bizarre. Nibiru était un dieu mineur dans le panthéon babylonien, probablement associé à Jupiter. Il n'y a aucune trace qu'il l'ait jamais considéré comme une planète. Parfois, entre scientifiques, nous parlons de la planète X, mais c'est un terme étrange aussi parce que les astronomes disent planète X pour un objet inconnu. Pluton, par exemple, s'appelait la planète X avant qu'il ne soit trouvé. Une fois qu'il l'a été, il est devenu Pluton. Nous n'avons donc non plus aucune preuve pour contrecarrer cette hypothèse, mais je peux dire très précisément comment nous savons que Nibiru ou la planète X n'existe pas et ne menace pas la Terre. Premièrement, s'il y avait une planète qui se dirigeait vers le système solaire interne et qui s'approchait, elle serait déjà à l'intérieur de l'orbite de Mars et elle serait facilement visible à l'œil nu. Vous pourriez la voir, nous pourrions tous la voir. Et ce qui est fou, ce sont les gens qui disent qu'ils l'observent, mais qu'ils ne nous disent jamais l'endroit précis pour que nous puissions vérifier. Deuxièmement, si Nibiru était réel et si c'était une planète avec une masse substantielle, elle perturberait les orbites de Mars et de la Terre. Nous verrions des changements dans ses orbites dus à sa présence dans le système solaire interne. Mais les astronomes qui mesurent l'orbite de la Terre et de Mars précisément et fréquemment n'ont remarqué aucun changement. Due to this rogue object coming into the inner solar system. Astronomers measure the orbit of Earth and Mars precisely and frequently, and there has been no change whatever. Troisièmement, et c'est peut-être le plus révélateur, si cet objet avait traversé le système solaire dans le passé, sur une orbite de 3600 ans, si cela s'était déjà produit, sa gravité aurait impacté les orbites des planètes intérieures, comme la Terre, Vénus et Mars, et aurait probablement fait complètement disparaître la Lune. Au lieu de cela, nous voyons dans le système solaire interne des planètes avec des orbites stables. Nous voyons la Lune faire le tour de la Terre. L'existence même de la stabilité dans le système solaire interne prouve qu'aucune autre planète, aucun objet n'interfère avec lui depuis au moins 1 million d'années. Nibiru n'est donc pas réel. Nibiru n'existe pas. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas détecter sa gravité. Et nous ne voyons pas de signature de son précédent passage parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, certaines personnes changent l'histoire et disent bien « Nibiru n'est même pas une planète, c'est une naine brune avec des planètes qui l'entourent. » Tout ce que je viens de présenter serait encore bien pire avec un objet aussi massif, une naine brune. Elle aurait été suivie par les astronomes depuis une décennie ou plus. Elle aurait eu un effet conséquent sur les orbites des autres planètes. Nibiru n'est pas réel. La planète X n'est pas réelle. Nous n'avons pas à nous soucier de ce canular. Voici un extrait d'un échange que j'ai eu le 1er décembre 2016 avec une faction d'extraterrestres à laquelle j'avais posé la question de l'existence de Nibiru.
Le texte original est en anglais et je l'ai traduit pour vous. Je vais maintenant vous le lire en français. La situation sur Terre est extrêmement compliquée, vous le savez. Il existe deux idées ou concepts majeurs de désinformation sur Terre. La théorie de la Terre plate et Nibiru. Le premier est tellement ridicule que je ne vais même pas l'aborder. Le second est plus compliqué. Je sais que le concept de Nibiru est bien documenté et il existe des preuves mathématiques qu'il devrait exister. Mais même si quelque chose est bien documenté, cela ne signifie pas que c'est vrai. L'origine du concept a commencé de plusieurs façons, et la Kabbale les utilise toutes les deux pour détourner l'énergie et l'attention des vrais problèmes. L'une des sources initiales de Nibiru vient de Zecharia Sitchin. C'est un désinformateur confirmé et rémunéré pour son travail, sans réelle connaissance. Il ne savait pas comment lire correctement le sumérien, et beaucoup de choses qu'il a dites n'apparaissent même pas dans les tablettes sumériennes. En d'autres termes, il a presque tout inventé. Néanmoins, ces tablettes cunéiformes parlent de Nibiru, mais on peut l'interpréter de différentes manières. Ça peut très bien être un vaisseau spatial ou une lune artificielle, la lune actuelle par exemple, ou une planète. Et c'est cette dernière solution qui a été choisie, car il y a des données mathématiques et astronomiques qui la soutiennent, et c'est le concept qui a le plus marqué les esprits. Les astronomes sur Terre ont découvert que la façon dont les planètes se déplacent, la dynamique des planètes, ne peut être congruente avec une autre planète présente dans ce système solaire ou avec une grande masse. Ils ont raison, mais seulement partiellement. Ils supputent la présence d'un objet massif à partir de certains indices, même s'ils ne le voient pas, parce qu'ils peuvent localiser le centre de masse de cette planète manquante. Ce centre de masse est celui qui interagit avec les autres planètes, les faisant vaciller et se détourner de leur orbite de manière congruente. Ce n'est pas une planète manquante, ma chère, mais ce sont trois planètes plus petites qui sont quand même assez grandes. Elles évoluent sur une orbite lointaine entre Neptune et le nuage d'Oort. Trois planètes plus grosses que la Terre, 2,5, 1,5 et 1,2 fois plus grosses que la Terre. Le point d'équilibre de masse entre elles, le point où leur gravité converge l'une avec l'autre, est le point exact que les astronomes de la Terre voient avec leurs mathématiques et pas avec leur télescope. Mais il n'y a rien dans ce point spécifique de l'espace, car ce n'est qu'un point d'équilibre gravitationnel. Je pourrais entrer dans la gravitique avancée ici, mais je m'éloignerai des explications sur Nibiru. Les trois planètes ne sont pas les merveilles que pourraient souhaiter les passionnés de Nibiru. Elles sont
sur une très belle orbite stable. L'une d'elles, appelée Ohalu, est habitée par une civilisation très avancée d'êtres insectoïdes, principalement de type mante religieuse. Elles ne sont pas amicales avec les humains, ni avec nous. Elles sont connues pour conclure des accords avec les races de reptériens sur Terre, et elles travaillent également avec un conseil des races, le conseil d'Ohalu. Ils interviennent dans les affaires de la Terre, et ils le font depuis des milliers d'années. Ils ont beaucoup à voir avec le commerce des esclaves humains et de viande humaine. Revenons à Nibiru et répondons à votre question sur les deux soleils. Je sais que les gens ont beaucoup de preuves, des mathématiques, des registres anciens et maintenant des photographies. Chacune de ces preuves a sa propre histoire et la plupart, celles qui sont de grande qualité CGI, sont faites par la Kabbale elle-même et sont très coûteuses en tant que méthode de désinformation. Les autres, faites par des amateurs, sont soit des canulars Photoshop bon marché et ridicules, soit quelques photographies d'amateurs sincères. Lorsque les conditions atmosphériques sont appropriées, la lumière du soleil réfléchie sur une grande masse d'eau sera à nouveau réfléchie de la haute atmosphère vers le bas. Le soleil se réfléchit sur la mer, la lumière semble optiquement provenir de la mer et se réfléchit vers le bas de la stratosphère supérieure comme une lumière parasite ou un problème de réfraction de télescope créant une double illusion de soleil pour un observateur. Ces illusions d'optique existent bel et bien, mais de mon vaisseau, nous ne voyons rien d'anormal. Il n'y a qu'un seul soleil. Il n'y a absolument rien. Et rien à signaler du côté de Nibiru. Nous n'avons aucune raison d'omettre ou de cacher Nibiru, à vous ou à quiconque, ce n'est tout simplement pas là. Une autre chose que je pourrais vous dire est que le modèle du système solaire accepté sur Terre est faux. Certaines personnes l'ont déjà découvert et c'est encourageant. Ce ne sont pas exactement des planètes qui tournent autour du Soleil, c'est plutôt un cône avec le Soleil devant, à la pointe, et les planètes qui le suivent derrière, formant un cône en spirale, se déplaçant à travers la galaxie à plus de 72 000 km/h. Et une grande planète telle que Nibiru, qui n'est pas en parfait équilibre avec le reste, serait tout simplement laissée pour compte. Elle ne pourrait jamais croiser le chemin de la Terre. Le mieux qu'elle puisse faire et de rester à la traîne du reste des planètes sans danger, c'est la physique newtonienne de base. Autre précision sur les deux soleils. Pour nous, c'est une inversion thermique provoquant un mirage qui réfléchit le soleil. Généralement, l'atmosphère est chaude en dessous,
et à mesure qu'elle monte, elle se refroidit. Quand il y a une condition d'inversion thermique, comme son nom l'indique, il fait froid en dessous et dans la couche intermédiaire de l'atmosphère. Une réflexion se produit. C'est un mirage, comme dans un désert. Les photos qu'ils prennent ne sont pas d'un objet, ce sont celles d'un effet d'optique. Le soleil n'est pas binaire. Ces réflexions peuvent aussi être dues aux produits chimiques qui se trouvent dans les nuages, étant donné que le climat de la Terre est artificiellement contrôlé par ARP et les chemtrails. La lumière du soleil est réfléchie sur une couche d'air froid plus dense en dessous, créant un effet miroir comme une eau fantôme sur une route en plein soleil. Ce phénomène est bien connu des pilotes et en prenant de l'altitude, c'est plus facile à voir. Nous pouvons à ce point constater que les versions du scientifique de la NASA, David Morrison, et de cette première équipe d'extraterrestres se rejoignent et corroborent la version de l'absence de la planète X ou Nibiru. Ils divergent lorsque, par exemple, David Morrison insiste sur la stabilité du système solaire en soulignant que l'existence même de la stabilité dans le système solaire interne prouve qu'aucune autre planète, aucun objet, n'interfère avec lui depuis au moins 1 million d'années. Or, comme nous le savons déjà, et que vous pouvez vérifier dans le dernier chapitre de mon livre artificiel, des guerres sur Mars ont déclenché une onde de choc dont les conséquences ont été catastrophiques dans tout le système solaire, avec notamment des inversions de position ou un éloignement de certaines planètes internes et la désintégration d'une planète appelée Tiamat. Sa disparition a entraîné la mise en orbite d'une biosphère artificielle andromédienne il y a environ 12 500 ans, que vous connaissez sous le nom de Lune. Par ailleurs, David Morrison aborde bien la question d'une présence invisible mais qui est expliqué par un point de convergence gravitationnelle de 3 planètes encore inconnues sur Terre, dont la planète Olaou, la planète des insectoïdes Mantis. Sinon, à part ces 2 exceptions, tous les 2 corroborent l'absence de la planète X. Nous pourrions en rester à cette conclusion. Mais je souhaiterais revenir au premier épisode et le fait qu'un vaisseau spatial, Nibiru, aurait fait 6 fois le tour de la Terre pour délivrer 2 messages, l'un à la Chine, unique interlocuteur avec eux, et les USA. Voici des photos qui ont été prises récemment, le 16 juin 2022, d'une planète X qui montre des vaisseaux spatiaux stationnés derrière ou sur le côté de son champ de débris. Il semblerait qu'il y ait 2 groupes. Le premier de 3 vaisseaux en formation d'exploration ou de combat et le second plus important d'environ 22 vaisseaux, 13 vaisseaux de protection ceinturant 9 autres vaisseaux névralgiques de commandement, probablement les vaisseaux amiraux. Cette photo viendrait corroborer les 2 messages qui furent envoyés à la Chine et aux USA par l'un de leurs vaisseaux qui a fait 6 fois le tour de la Terre comme indiqué dans le premier épisode de ce documentaire.
À la suite de quoi, quelques jours plus tard, le 21 juin 2022, le jour du solstice, l'annonce est arrivée que le retour d'Orion est imminent. L'intelligence artificielle Covid active linéairement 7 champs énergétiques, les 7 chakras à travers l'ADN augmenté. 0,5% des personnes, c'est-à-dire à peu près 40 millions de personnes, passeront en 5D et deviendront immortelles. Mais la grande majorité de la population ira dans la matrice 3D du métavers. Saura-t-on jamais le fin mot de l'histoire avec ces deux versions extraterrestres complètement opposées? La planète X existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Comme je le disais dans l'épisode 2, il nous est impossible à nous, simples civils, de le savoir pour l'instant, de manière irréfutable. Nous ne pouvons nous fier qu'aux présentations faites par les différents groupes. Mais comme elles divergent, ce n'est pas possible d'en venir à une conclusion franche, directe et irréfutable. Néanmoins, fort de ces nouvelles informations et de ces connaissances, vous pouvez avoir une perspective différente sur le cosmos et les races extraterrestres qui l'occupent, et sans pour autant vous laisser entraîner dans l'une ou l'autre version, sans vous polariser sur un groupe ou un autre, vous pouvez demeurer bien ancré dans votre propre réalité et y être heureux et heureuse. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.